Après ces deux nuls face à Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi et V-Club de Kinshasa, le TP Mazembe de retour à Lubumbashi s'est remis tout de suite aux entraînements. Déjà ce vendredi matin, les corbeaux de Lubumbashi se sont retrouvés sur la pelouse du stade Mazembe pour une première séance d'entraînement depuis leur retour dans la préparation du match qui doit les opposer au Daring Club Motema Pembe le dimanche au stade Mazembe. Tous les cadres étaient là sauf Joël Kimwaki, encore à l'infirmerie. Après trois matchs nuls de suite, toute compétition, Mazembe peut rêver d'une victoire à la maison. Pour cela, les coéquipiers de Merveille Bopé peuvent compter sur leur gardien des buts, Sylvain Gouhou, auteur d'un grand match contre la SV Club, ou même Robert Kidiaba Moteba, dont la moindre apparition, même sur le banc, est sujet à conversation. Beaucoup sont ceux qui aimeraient le revoir dans la cage de Corbeau, mais pour cela, il devra travailler davantage. Il faut également un grand mur défensif dont la tour de contrôle s'appelle Salif Koulibaly. Mais pour gagner un match de football, il faut marquer des buts. Pourtant, la ligne offensive des Corbeaux de Lubumbashi est restée muette depuis 360 minutes. Bolingui Mpangi et Louis Ndama seront à coup sûr très attendus par le public ce dimanche contre le Daring Club Motema Pembe. En cas de victoire face à l'équipe de Kinshasa, Mazembe pourrait aller disputer la première place à Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi.